séance ordinaire du conseil municipal du lundi 21 août 2023, tenue à la salle du conseil à 20h et à laquelle sont présents M. Éloi Champigny, conseiller poste numéro 1, M. Jean-François Martin, conseiller poste numéro 2, M. Éric Liberté, conseiller poste numéro 3, M. Daniel Leduc, conseiller poste numéro 4, M. Jérémy Lavelle, conseiller poste numéro 7, Mme Geneviève, conseillère poste numéro 6. Formant quorum à l'ouverture de la séance, sous la présidence de l'Assemblée du maire, M. Louis Donne et M. Marc-Lévesque, directeur général, assiste également à cette séance. Point 1. Ben, bonsoir tout le monde. Point 1, ouverture de la séance. Éric. Point 2, carrière de réflexion. Point 3, adoption de l'ordre du jour. Point 4, adoption de procès-verbaux, 4.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juillet 2023. Daniel Leduc. 5, trésorerie, 5.1, approbation de la liste des comptes du mois de juillet 2023. Oui, donc... Les comptes à payer représentent un montant de 38 994,65 $. Les virements bancaires, 59 929,71 $. Les salaires, 48 756,99 $. Pour un total des comptes du mois de 147 681,35 $. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Demande, point 6, demande de citoyens ou organismes. On n'a reçu aucune demande. Point 7, première période de questions, durée maximale de 15 minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, moi j'ai des questions. La partie de la bande du mois de juin, là, on a eu les dépenses compressibles, incompressibles, tout ça, de 370 488. J'aimerais savoir c'est quoi, parce que d'habitude c'est 100, 125, 150, puis là... Le plus gros de la dépense, on va aller voir ça. Parce que je sais que vous mentionnez plus loin que vous avez payé les pump track. 77 000, mais... 150, entre 370 000. Là, c'est les comptes de mai. Là, les dépenses incompressibles. Ouais, 790 000? Non, 370 000. Peut-être qu'il y a eu une erreur de frappe. Je ne sais pas. Les comptes de mai de la santé de juin. Oui, exactement. Les dépenses incompressibles de mai, moi, c'est 86 000. C'est ça. Puis, va à la ligne avant. Les comptes à payer total, 310 000. Oui. OK. On regardait les dépenses. OK. Plusieurs dépenses, je vais essayer de Il y a 86 000 pour la quote-part de la MRC d'Acton, des grosses dépenses. Regarde avec moi, là, je manque à rien. Non, c'est parce que je vais regarder les autres procès-verbaux, puis il n'y a pas de différence. Ouais, 88 000.
dit, ouais. Et 28 000 de quatre parts. 80, non, c'est plusieurs dépenses. Je viens de voir. On a la Sûreté du Québec, 90 000. On a la quote-part de la MRC d'Acton, 86 000. Et puis. Le 176 000, tout suite en partant. En partant. Et puis, loin, tu faisais le pump track. J'essaie de le retrouver, le pump track. Le fou d'artifice, très cool, ça c'est 88 000, tes séries Crobat pour le pump track. Tu le mentionnes aussi plus loin, hein? Il y a le fou d'artifice, il y a 13 000 de jour. Plus loin dans le procès verbal, la résolution, c'est pour approuver le décompte. Le 35 000, le décompte progressif qui est numéro 2 ou 3, tandis que là, dans les comptes, la dépense contract fait quand même partie des comptes. Ah, okay. Jeu de pétanque, le jeu de pétanque, le fou d'artifice. Moi, puis c'est sûr, il y a plein d'autres dépenses en plus, là, de loisirs, principalement, là, un peu l'artifice de Saint-Jean-Baptiste, etc. etc. Fait que c'est les principales dépenses. Au mois de mai, oui. Oui. Okay. C'est payable d'avance, ça. Okay. Non, mais c'est juste que. Je vous pose des questions. Les réparations de tracteur, vous donnez pas 12 000 piastres. Ah, le tracteur doit pas être en train. J'ai fait 9, fait aussi. Ouais, fait 9. Ça varie d'un mois à l'autre. On a 12 000, on a 12 000 et tout, comme Eric a dit, on a 12 000 pour la réparation du tracteur chez Tana. Ah, réparation, ok. Fait que c'est toutes des dépenses de plus qu'on n'a pas actuellement, mensuellement. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, non, mais j'ai une autre période. Je peux avoir 10 minutes. Non, mais je voulais savoir où s'en est la vitesse là, dans le cinquième rang. La vitesse dans le cinquième rang? Oui, qui est 80 km à l'heure, puis ça a été baissé, si on ne l'a pas demandé. Non, ça va rester à 80 km à l'heure. Puis pourquoi dans le 4, eux autres, ils ont changé de 80 à 70? Suite avec une discussion avec la Sûreté du Québec, eux, ce qu'ils disaient, c'est que le fait de réduire les vitesses, ça crée un sentiment de sécurité, mais en réalité, ça n'est pas là. Parce que les gens, il y a tellement de vitesses, comme si dans le village, c'est 30 km, il y a des places, c'est 50 km, il y a des places, c'est 70 km, entre autres, dans l'entrée. Oui, mais c'est fou, ça a été 70 changé, 70 km, puis il y a d'autres places, c'est 80 km. À un moment donné, les gens ne le savent plus. Ils ne doivent plus le savoir parce que ceux qui viennent du village, qui vivent dans le 5, il n'y a plus de pancarte. Parce qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans la pancarte, ça va passer vite. Ça va être changé, ça fait juste un an. Où ça? Oui, du 5 et du 6. Du 6 et du 5. Il n'y a plus de pancarte disant que c'est 80 km à l'heure parce que la personne est rentrée dedans. C'est ça. Puis, en arrivant au stop, on va ça, après, là, c'est 70 km. Alors. C'est le chemin de Gravel. C'est ça. Gravel, c'est 70, quand t'as asphalté, c'est 80, c'est ça. Oui, mais pourquoi d'abord au quatrième rang, à Actonville, ils l'ont changé, eux autres? C'était du 80, puis il était 80 km à l'heure, puis tout cabossé. Ils ont fait l'asphalte, puis c'est rendu 70 km à l'heure. Puis, enfin, ils ont compris. Il y avait une pétition. Savez-vous, j'ai fait du radar avec la Sûreté du Québec. Puis 90% des gens qui se font arrêter quand ils vont trop vite, c'est pas des gens de l'étranger, c'est des gens du village. Ben oui, ça je sais. C'est comme 90%. C'est spécial à dire, hein, mais c'est des gens du village. C'est des gens de la municipalité, tous ceux qui se font arrêter. Tu sais où est-ce que je reste? Il y a 3 stops, hein? Oui. Mais c'est des gens étrangers qui font les stops. Pas les gens du village. Ouais. Là, tu passes. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Essayez de penser.
autre chose. Mais allez voir, même voir comment ça se fait qu'ils ont pu changer ça. Là. Parce que c'était 80 ou c'est vendu 70. C'est parce qu'il y a eu des demandes. Sûrement parce qu'il y a eu des demandes. Ben oui. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Ben, j'en fais une demande. On regarde la pancarte. Ça a-tu rapport avec la polyvalente qui est là, avec 15 autobus? Non. Parce que c'était 80. Ben non, la polyvalente, c'est 50. Je suis sûr que la densité, il y a des maisons tout le long de la 4e. C'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'on avait 150 dans le système. La densité. Plus bas, là. Ici, là, voilà. Ben oui. C'est ça qui est ça. S'il y a d'autres questions, à l'autre période de questions. C'est ça. Point 8, travaux publics, 8.1, dépôt du rapport mensuel des travaux publics. Oui, consulter le rapport du directeur des travaux publics. Point 9, urbanisme et services d'inspection en bâtiment et environnement. 9.1, dépôt du rapport mensuel du service d'inspection, dossier d'infraction et permis émis. Vous avez le rapport de la firme Urbatec. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a 1.8 million en demande de permis. Point 10, conseil, 10.1, nomination du maire suppléant. Donc, en ce mois d'août 2023, une nouvelle période de rotation de 3 mois débute et conséquemment, on est rendu au conseiller poste numéro 1, à Gauchampigny, à être désigné maire suppléant. Pendant le proposeur, deuxième. Point 11, gestion et direction générale. 11.1, modification aux conditions de travail de la brigadière. Donc, vous avez reçu le document. Donc, vous en prenez acte. C'est pour ma part. Mm-hmm. Correctement. 11.2, dépôt du rapport des ressources humaines août 2023. Vous pouvez prendre acte du document rédigé par le directeur général, le document rédigé le 10 août 2023. Point 12, loisirs et culture. 12.1, approbation de la programmation des activités d'automne. Donc, vous avez la programmation réalisée pour les activités d'automne, dont notamment la journée de la fête de la municipalité le 16 septembre. C'est donc d'autoriser les dépenses qui sont associées à la programmation. On est d'accord avec ça? Daniel propose. Point 13, service d'hygiène, 13.1. Dépôt des rapports de l'usine d'épuration de la firme Assisto. Vous pouvez consulter les rapports rédigés par la firme. 14, correspondance. 14.1, dépôt de documents et des correspondances du mois. Vous avez le ministère des Transports qui a envoyé une lettre concernant le début du processus d'appel d'offres pour le pont du 5e rang. Et vous avez également une confirmation de subvention du ministère des Transports concernant le programme d'aide à la voie locale. Point 15, régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins. 15.1, dépôt des rapports et procès-verbaux. Vous n'avez aucun document de déposer puisque la régie n'a pas siégé en juillet. Point 16, MRC d'Acton. 16.1, dépôt des rapports et procès-verbaux. Vous pouvez consulter le PV du mois de juin de la MRC d'Acton. 17, sécurité publique. 17.1, dépôt du rapport d'incendie réalisé par la ville d'Acton Bay. On ne l'a pas reçu pour le mois de juin, donc dès qu'on l'aura, on va le déposer à la prochaine séance. Le camion neuf, là. Ça va forcer 2023. J'ai pas une nouvelle. Oui, n'entends-tu pas bien. Techniquement, là, ça va aller début 2024. À moins qu'il y ait un problème majeur, mais d'après moi, on ne l'aura pas en 2023. Point 18, rapport suivi des dossiers. S'il y en a qui ont suivi quelconque. Non. Si jamais ça venait. Ça vous intéresse, le bilan annuel des activités de la construction, ça c'est à travers la MRC d'Acton. Il y a ça ici. Ensuite de ça,
Classement des localités selon l'indice de vitalité économique de 2020. Ça, c'est deux, pourquoi 2020? Parce que pour faire ce rapport-là, c'est toujours 2 à 3 ans derrière l'âge. Donc, si vous voulez voir le classement de Saint-Théo par rapport à la MRC d'Acton, là, je vais faire une histoire courte. Là. C'est quoi les critères? Oh, c'est plusieurs critères. C'est l'indice des salaires gagnés dans la MRC, dans la municipalité, comme assistance sociale, chômage, etc., etc., etc. C'est tous des facteurs qui vont faire en sorte que le taux de vitalité économique va changer. Saint-Théodore, on est les deuxièmes meilleurs dans la MRC d'Acton. Si jamais vous voulez, c'est là pour ça. C'est Pardon? C'est qui la première? La première, c'est Horton. Horton? Oui. On est devant Horton? Oui. C'est pas pour rien qu'il y a bien des subventions que Saint-Théodore d'Horton n'a pas le droit. Ça, ça en a fait partie une des raisons. Parce qu'on est bien classé. Horton sont avant-dernier, puis la dernière, c'est Roxham Falls. C'est du moment que tu es vitalité, tu es déclassé à la vitalité. Il y a plusieurs subventions que tu as le droit d'avoir. Puis il y a des subventions, au lieu d'avoir, mettons, la moyenne, c'est 65%, vu que ton taux de vitalité est bas, tu as le droit d'avoir 75 ou 80%. C'est toutes des choses que c'est spécial, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Le rapport annuel des activités, le service de la Sûreté du Québec. Ça, il faut que ça reste dans en avant de la table, par contre. Sur ce, point 19, règlement. Aucun. Aucun règlement. Point 20, varia. On a aucun varia. On est déjà rendu à la deuxième période de questions, point 21. Pas s'il y a d'autres questions dans la salle. L'histoire de la pensée, là, ça arrive pas mal à toutes les semaines, ça va être des cadeaux maintenant, non? Aucune idée. Okay. On était supposé avoir des nouvelles. Mais non, ça fait plusieurs mois qu'on était censé avoir des nouvelles concernant les poteaux. Ouais. Ils étaient censés installer des poteaux, mais là, ça a l'air qu'ils ont trouvé des camelots. Pour le temps que ça dure, c'est sûr que là, chacune des maisons est desservie. Tant mieux. Ce qu'on a vu dire la semaine que le dit, mais c'est mieux que rien. Ouais. D'après moi, c'est le même camion qu'à rien. C'est ça. Ah ouais? Ce camion vert, toujours. Quand je reviens, mais je ne vois pas quand je suis à la maison. C'est très rare que je vois le camion qu'on s'attache. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Non? C'est pas les modifications des conditions de travail de la brigadière. C'est quoi? Bien, disons qu'il y avait eu des demandes concernant salariales, puis sur des vacances, etc. Okay. Puis déjà que tout, sans exception, tous les employés de la municipalité ont déjà eu, puis incluant la brigadière aussi, avait eu des modifications concernant les avantages, puis etc. Ah, OK. Donc, je pensais que c'était plus les heures de changer, tout ça, ouais. Tout ça que je voulais. Non. S'il n'y a pas d'autres questions, on va aller au point 22. Levé de l'Assemblée. Le 1 pour